100% des clients que j'accompagne me font pour l'instant, depuis 3 ans que je fais finance conseil, m'ont fait un retour positif. C'est toujours bien passé, donc c'est hyper gratifiant et valorisant. Antoine Davio, du club de Carbao Chaland, et je travaille pour Finance Conseil. Je suis courtier en financement depuis 3 ans maintenant. Courtier, c'est quoi? C'est accompagner en fait tous les clients qui ont besoin de financement dans leur recherche, les accompagner, sécuriser leur budget dans un tout premier temps, et puis ensuite faire jouer la concurrence, solliciter un maximum de banques partenaires pour aller optimiser leurs conditions de prêt. Du jeune primo-accédant à la personne qui est déjà à son deuxième, troisième investissement, j'en apprends tous les jours de par leur job respectif. Et ce qui m'éclate, c'est que j'ai vraiment le sentiment, quand je suis en rendez-vous, à la fin du rendez-vous, de leur apporter une vraie plus-value. Allez, j'ai gardé ma rigueur d'ancien banquier, mais aussi aujourd'hui, j'ai pas de contrainte de temps, donc je suis vraiment là pour prendre le temps de parler du projet du client. On peut se voir 3, 4 fois, 5 fois, on n'est pas timé et je pense que c'est ce qu'apprécie le client. C'est 60% des plus de 35 ans, des moins de 35 ans, pardon, font appel à un courtier pour accompagner leur projet. C'est beaucoup plus dans l'air du temps. On est un réel intermédiaire aujourd'hui, on a une réelle plus-value pour gain de temps client, gain financier. Et je dirais même ce que va retenir le client, c'est surtout un gain de temps et puis le professionnalisme et les conseils qu'on va pouvoir lui apporter pour son projet qui est un projet de vie en fait. Ça va être par la recommandation bouche à oreille, c'est-à-dire que ce qui marche énormément dans notre métier, c'est une fois que j'ai financé un client, ça s'est bien passé, bah, souvent ils vont recommander 1, 2, 3, 4 personnes dans son entourage, et dans son entourage, il y a peut-être une certaine strate de clientèle, j'évoquais les moins de 35, mais il y a les plus de 35, et 40 et 50 ans, et grosso modo c'est de leur faire comprendre que aussi il y a une réelle plus-value, alors peut-être pas sur la négociation du taux, mais sur l'assurance. Pour rentrer dans le détail, mais grosso modo le fort enjeu quand on emprunte passé 45-50 ans, aujourd'hui, en termes de négociation, c'est l'assurance, donc ça va être là où je vais pouvoir leur apporter un vrai conseil aussi. Thank you.